I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose tripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your. Mathieu, cette chute du 27 mai 2013 à Chartres, on peut revenir dessus ou c'est trop douloureux pour toi? Non, 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 on peut revenir dessus. C'est des choses qui font partie de la vie maintenant. Donc, ouais, c'est pas un sujet tabou pour moi, non, non, pas de problème. Alors justement, tu peux nous raconter comment cette chute est survenue? C'était pendant un hit d'échauffement, une jument un petit peu compliquée. Juste au moment de se ressortir de la piste, elle s'est contrariée un petit peu et elle s'est complètement recabrée et donc j'ai amorti sa chute. Donc y a des fois quand on me demandait comment je m'étais accidenté, souvent on parlait d'une chute de cheval et là je dis que c'est plutôt le cheval qui m'était chuté dessus. Donc, c'est vrai que sur le coup, c'est jamais un accident intelligent, c'est souvent des accidents bêtes, mais bon, bah, là, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez rares et ça arrive quand même, donc pas vénard sur ce coup-là. Quand tu tombes, tu sais tout de suite que c'est grave? Ouais, parce que je sentais bien que je pouvais pas trop bouger, et puis. C'était 15 jours avant le président de la République. Et là, quand j'étais allongé, ouais, je me suis dit, pendant 15 jours, je crois que je vais être un petit peu court. À mon avis, je vais manquer de préparation. Donc, j'ai senti quand même que c'était pas du léger, quoi. S'ensuit ce qu'on pourrait appeler la valse des hôpitaux. Est-ce que tu commences à prendre la mesure de la gravité de ton accident? Au début, on ne me dit pas vraiment trop ce que j'ai, quoi. Je sentais bien que je ne pouvais pas trop bouger et puis que les minutes étaient longues parce qu'on a mis du temps quand même à m'emmener à l'hôpital. J'ai été donc en premier temps mis dans l'ambulance, ressorti de l'ambulance, reparti avec les pompiers. Et puis c'est vrai que la route était un peu longue pour aller jusqu'à l'hôpital. Et donc après, une fois qu'ils ont fait les premiers examens, ils ne m'avaient pas vraiment dit ce que j'avais. Donc, au début, tu t'en rends pas vraiment compte. Et puis donc, ils m'ont opéré un premier coup. Et donc, quand j'ai été mis en traction, après, j'avais plus de douleur du tout. Donc là, j'étais posé dans mon lit, calme, et ça allait, mais je relativisais beaucoup et je me rendais pas vraiment compte de la gravité de la chose. Après ton opération à Paris, tu intègres le CERS de Cap-Breton. Est-ce qu'à cet instant, tu commences à entrevoir la fin du tunnel ? Ouais, parce que c'est vrai que quand t'es un mois, plus d'un mois dans un lit à attendre, tu trouves le temps long, mais bon, j'arrivais à faire des postures un peu dans mon lit à la fin. Bon, j'ai toujours suivi les cours, j'ai toujours été à fond dedans. Et donc, je trouvais que j'arrivais à plier mes jambes quand même, à me redresser un petit peu dans le lit, même si j'avais pas forcément trop le droit, fallait éviter de bouger au maximum. Mais bon, je sentais que j'avais quand même pas mal de mobilité, donc. Ouais, on a toujours envie d'accélérer un petit peu les choses. Et puis le fait d'aller à Cap-Breton, je savais que c'était un très grand centre. Donc j'étais très pressé de quitter les hôpitaux pour commencer à retravailler et puis revenir le plus vite debout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore allongé et j'avais pas remis les pieds par terre. Ensuite, il y a ton retour chez toi, dans ta maison à Angers. Quelles ont été tes premières impressions lorsque tu as franchi le seuil de ta porte? Ça faisait un moment que j'étais parti en fait, donc depuis l'accident, j'étais pas vraiment rentré chez moi parce que j'avais fait un mois d'hôpital et puis donc après Cap-Breton pendant un peu plus d'un mois et demi, donc quand on rentre c'est du soulagement. Après je suis rentré, j'étais surtout fatigué parce que j'avais quand même pas mal bossé à Cap-Breton. Mais quand on est relâché d'un centre comme Cap-Breton où on se sent un petit peu en sécurité dans ce genre de centre, parce que du matin au soir on travaille et on est entouré par du personnel. Quand on rentre chez soi, on est heureux de rentrer, mais à la limite on se retrouve dehors au grand jour et un petit peu dévoué à nous-mêmes, et là c'était un petit peu dur au début. J'ai perdu pas mal de temps, j'ai été pendant 8-15 jours fatigué et du mal à me remotiver comme il faut, donc j'ai eu une petite perte de temps là à ce moment-là.
Et puis après, j'ai repris quand même, comme il faut, le travail de rééducation. Et après, c'est vite revenu, réussi à remonter dans un sulky. Et puis, les choses de la vie reprennent comme il faut. Quoi. Quand on arrive à retoucher les chevaux et à remonter dans un sulky, c'est ce qui fait avancer le plus. Arrive alors le retour à la compétition. Tu redébutes à Vincennes. Tu renfiles la casaque. C'est un moment particulier, je suppose. Oui, c'est sûr que... avant le coup, j'avais pas vraiment de date vraiment définie pour mon retour. Et puis j'avais Sage de Guérinière qui faisait une rentrée dans une belle course à Vincennes. Donc j'avais pas de chance, mais bon, j'y tiens au moins. On va être tous les deux un petit peu rouillés et puis on va se remettre en route. Donc voilà, j'ai dit au moins, je vais retourner à Vincennes d'entrée de jeu et puis je vais refaire un tour de piste. Donc ça m'a fait du bien. Mais tu ressens quoi à ce moment-là? Tu dis enfin c'est la fin. Ouais, parce que bon, tu retournes au vestiaire, tu remets ta casaque et tout, et tu te rhabilles pour faire ce que t'aimes le plus, quoi. Donc ouais, tu te dis enfin c'est la fin. Ouais. C'est sûr que après t'arrives aux courses, bon bah j'avais seulement un partant, c'est normal, c'était mon retour, mais t'es plus à répondre à pas mal de questions qu'à être à ton boulot, mais voilà, quand tu refais le tour de la piste de Vincennes, t'es heureux. Donc après ce retour à la compétition, les courses s'enchaînent. Et là, malheureusement, certains entraîneurs ne t'appellent plus. Est-ce que psychologiquement, c'est dur? Ouais, c'est dur. Après, c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Moi, je reviens aux courses, je reviens pas sans séquelles. Hein. On sent bien quand même que après ce combat, j'ai été touché. Donc... C'est surtout physique en plus, donc oui, c'est la première des choses qu'on repère chez moi quand on voit me déplacer. Donc après, pour certains professionnels, entraîneurs, c'est pas évident de se dire on le sent pas à 100%, même si c'est pas moi qui tire le sulky, je suis juste posé le cul dans le char. Et après, il n'y a rien qui fait la différence entre avant et maintenant, Mais bon, oui, c'est sûr que j'ai perdu certaines montes auparavant, quoi. Je restais en plus sur une année très correcte. J'avais commencé mon année comme il faut. J'étais en pleine bourre. Et puis donc, c'est le genre d'accident qui peut arriver à beaucoup de personnes. Mais bon, quand ça t'arrive, ouais, c'est vrai qu'après, tu relativises beaucoup plus les choses. Mais psychologiquement, ça doit être dur quand même que certains entraîneurs avec lesquels tu travaillais régulièrement ne te fassent plus appel. C'est sûr que y a des remises en question qui se font énormément. Après j'ai quand même eu la chance de redriver pour des grands professionnels qui me faisaient appel avant et qui continuent à me faire appel, et c'est toujours été un plaisir de regagner des courses à Vincennes pour ces personnes-là. Mais c'est sûr que les journées sont moins complètes qu'elles l'ont été. Maintenant, physiquement, je me sens pas forcément capable de courir partout comme avant, parce que bon, monter, j'ai relevé le pied et puis je refuse quand même quelques monts. Faut regarder la réalité en face, et puis donc faut rester la tête haute et puis faut foncer. On se dit que les beaux jours c'était avant l'accident et qu'après l'accident il y en aura toujours, et donc faut rester droit. T'as également perdu les propriétaires dans l'histoire? Ouais, à la maison j'ai pas perdu de clientèle, non, dans l'ensemble. Tous mes chevaux sont restés, j'avais du tri à faire et tout également, donc c'est pas évident, parce que quand on n'est pas là, ça se fait pas aussi facilement. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe soudée derrière qui est là pour faire tourner la boutique, heureusement, parce que je suis associé avec mon père, et puis j'ai Nathalie qui a toujours été là pour me soutenir aussi bien quotidiennement, tous les jours avec moi, et puis à être au box avec mon oncle Yvonique et puis mon père, donc ça aide pour faire tourner une boutique. Donc de ce côté-là, l'entraînement, on a réussi à faire tourner la boutique comme il faut. Est-ce que tu peux comprendre que certains entraîneurs, comme propriétaires, te voyant dans un état physique diminué, ne fassent plus appel à toi? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de concevable? Après, moi, il y a des jours, je me sens mieux, d'autres un peu moins bien. J'essaye de paraître toujours en bonne forme, même s'il y a des fois, c'est sûr, faut serrer les dents. Il y a des fois, je me dis, aujourd'hui, je suis pas mal quand même, je marche bien. Et puis, il suffit que je sois en train de me promener dans la rue et que je vois une glace et je me vois marcher, je dis, merde. Je dis, toi, tu te sens bien, mais t'es quand même pas top, petit père. Donc... Après, moi, c'est une habitude maintenant. Après, le regard des autres, c'est vrai que ça doit certainement choquer. Donc, pour certains entraîneurs,
me voir un petit peu dans cet état-là. C'est vrai que eux, bah, ils préfèrent peut-être mettre toutes leurs chances de leur côté et puis avoir quelqu'un qui soit mieux dans sa peau que moi. Après, bon, je pense pas que dans un Suki ça change grand-chose, mais je sais pas. Si ça arriverait à quelqu'un d'autre, je sais pas comment je réagirais. Enfin, voilà, je me sens d'un côté privilégié parce que suite à l'accident que j'ai eu, ça aurait pu être pire. Et puis peut-être j'aurais jamais pu refaire ce que j'aime le plus, c'est courir en course et puis être à côté des chevaux. Donc il y a ce côté-là qui repasse au-dessus et qui me fait oublier les mauvaises choses. Donc voilà, j'ai eu la chance de remonter, de regagner des courses montées, attelées. Et donc venir à Vincennes, ça reste toujours ce que j'aime, je préfère le plus dans ce milieu. Quoi. Depuis cette chute, qu'est-ce qui t'a le plus blessé ? Ouais, qu'est-ce qui m'a plus blessé, c'est certainement la perte de très bons chevaux que j'ai drivé avant. Quoi. S'il y a un cheval que j'ai à retenir, c'est un cheval comme un mec d'Eric Brick. C'est des chevaux avec qui que j'ai toujours préservé dans l'ensemble. Et puis qu'on a quand même gagné groupe 1 ensemble. On a participé à un prix d'Amérique ensemble, c'était mal passé. Mais bon, c'est des chevaux que je revois courir actuellement. Et ça reste un grand champion. Je le revois passer un poteau en tête. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui chagrinent toujours un peu. A contrario, qu'est-ce qui t'a le plus touché dans le bon sens ? Qu'est-ce qui m'a touché le plus, c'est... Là où je me suis senti le moins bien à l'aise, c'était peut-être au trop monté, parce que c'est là où j'ai travaillé le plus dur, parce que physiquement, c'est quand même beaucoup plus dur pour moi. Et donc, ce qui m'a touché le plus, c'est quand j'ai pu gagner quand même des courses, notamment à Vincennes, pour des entraîneurs propriétaires qui m'ont fait appel et qui m'ont fait confiance pour monter de très bons chevaux, et notamment une jument comme Roxane Griff, où j'étais un petit peu déçu après le poteau de ne pas avoir gagné. Mais voilà, d'avoir la chance d'avoir remonté une championne comme ça, alors que j'étais quand même dans un état physique diminué, c'est des choses qui touchent. Donc voilà, après, j'ai eu la chance de regagner Semi Classique, notamment pour Nicolas Rimbaud, qui m'a toujours fait confiance. Donc ça, c'est vraiment des grandes joies pour moi. Et donc, elles sont vraiment doublées quand on peut repasser le poteau dans ce genre de course à Vincennes. Alors là, tu parles professionnellement, mais humainement, est-ce que tu as une marque d'attention qui t'a particulièrement touché ? Bah après, c'est vrai que au quotidien, d'avoir quelqu'un qui soit au petit soin tous les jours, et bah, Nathalie, c'est vrai qu'elle a toujours été là depuis le début. Elle a fait pas mal de routes pour venir me voir, et puis être la chance d'être père de famille et d'avoir une fille qui me demande toujours de lui courir après, alors que j'ai toujours un petit peu de mal à la suivre pour le moment. Donc ça, c'est des choses qui motivent toujours à s'améliorer. Donc voilà, d'être assez soudé, bah, ça aide à franchir le pas. Alors, tu l'as évoqué, tu as souffert physiquement. Pourquoi tu n'as pas coupé court à un moment à ton activité avant cette opération qui se précise le 9 octobre ? C'est vrai que j'ai été bien tout l'hiver. Hein. J'ai travaillé tout l'hiver sérieusement et je progressais bien. Et depuis le mois de juin, je sentais que je ne progressais plus. Après, il y avait eu la grosse journée du président de la République où j'avais quand même pas mal de partants. Je devais avoir 7 partants, dont 2 montées. Et le soir de la réunion, j'étais vraiment cassé en deux. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous avec un spécialiste qui m'a fait comprendre que j'avais l'articulation qui était quand même pas mal abîmée. Et là, j'ai pris une claque quand même. Et donc là, j'ai compris que même si je continuais le kiné, que je faisais, j'allais voir mon ostéo et que je continuais à travailler comme je faisais, il ne pouvait pas m'améliorer. Il fallait absolument que je passe par une chirurgie. Donc depuis que j'avais eu cet entretien, quoi, j'ai remis un petit peu les bouchées doubles et j'ai vraiment voulu taper dedans juste à temps d'être opéré. Donc je me suis peut-être fait du mal. Je sais que là je suis quand même pas mal diminué et qu'il est temps que je me fasse opérer. Mais bon, quand il m'a fait comprendre que j'avais de la chance de monter à cheval et que c'était vu ce que j'avais eu, c'était déjà bien d'être sur le dos d'un cheval. C'est vrai que je me souviens, le jour même du rendez-vous, j'allais gagner à Caen avec une jument à moi et j'étais vraiment émotionné après le poteau parce que j'ai dit merde, si demain je peux pas remonter, j'ai dit quand même c'est des trucs, je me vois pas finir sans monter à cheval. Quoi. Courir attelé, ok, mais j'ai toujours envie de monter à cheval. C'est des choses pour moi que j'ai pas envie de passer la page. Quoi. Donc
Physiquement, c'est sûr, je suis diminué, mais là, je me bagarre et je serre les dents. J'empêche pas les chevaux d'avancer, je pense pas. Mais bon, voilà, je voulais vraiment me battre encore jusqu'à attendre cette opération-là. Et maintenant, j'attends du miracle. Quelle erreur, avec le recul, s'il y en a, tu ne referais pas par rapport à cet incident? Bah certainement que j'ai repris, je sais pas si j'ai repris trop tôt, on m'avait pas vraiment donné de date et tout avant le coup. Après, j'ai toujours suivi le programme. Quand je me suis senti capable de remonter dans le sulky, j'ai remonté. Le matin, j'ai retravaillé pas mal de mes chevaux. Quand je me suis senti capable de courir en course, j'ai couru monter. Après, c'est vrai que j'ai repris des habitudes où j'avais des journées quand même assez rythmées. Mais je pense pas que le fait que je me fasse opérer, il aurait fallu le refaire un jour ou l'autre. Donc là, ça tombe avant le meeting d'hiver. J'ai un gros mois d'arrêt et à la limite, que ça soit là ou l'année prochaine, je préfère autant que ça soit fait là. Donc certaines personnes vont me dire que j'ai repris un peu trop vite. Je pense pas que ce soit vraiment le cas. Donc non, dans tout ce que j'ai fait jusque-là, je regrette pas grand-chose. Je pense que j'ai suivi un petit peu tout à la lettre. Et malheureusement, c'était les choses qu'on craignait, d'avoir l'articulation un petit peu abîmée. Et donc, il fallait que je repasse sur le billard, de toute façon. Donc là, la date a été définie pour l'opération. Est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi elle consiste? Eh bien là, donc, je me fais opérer le 9 octobre. Et puis, j'étais voir un spécialiste. Et donc, ils me mettent une prothèse. Donc, ils me changent complètement la tête de l'articulation du fémur. Donc, c'est suite à la jambe qui s'était déboîtée, l'articulation était abîmée. Donc suite aux fractures, j'avais eu 5 fractures et j'ai plus de traces du tout, j'ai aucune douleur, mais c'est la jambe qui a été déboîtée qui me fait le plus souffrir maintenant parce que le cartilage est complètement abîmé et donc il change complètement l'articulation. Après c'est les prothèses, c'est un spécialiste qui est habitué à ce genre de chirurgie, donc je lui fais entièrement confiance. Il met une prothèse qui a été déjà essayée sur pas mal d'athlètes de haut niveau et apparemment qui sont revenus au top, donc on y va quoi. J'ai confiance en mon chirurgien, donc c'est ce qu'il faut, je pense. Justement, est-ce que tu as peur et quel risque prends-tu à être opéré? Non, j'ai pas peur. Je suis pressé comme je l'étais quand ils m'ont opéré à Paris. Pour regagner du temps, quoi. Le professeur Nathan avait fait du très bon travail, il m'a fait gagner du temps par rapport à ma double fracture, donc j'étais pressé. C'est sûr que c'est une fois que tu es opéré que tu serres les dents, parce que c'est des moments qui sont délicats à passer. Mais non, dans l'ensemble, j'ai pas de crainte. C'est toujours le après opération où tu as quelques jours où qui sont pas forcément très agréables, mais non, j'ai vraiment envie d'être opéré et de me ressentir mieux, parce que je peux pas rester comme ça. Et puis voilà, surtout recourir en course et se sentir bien, c'est une chose, mais j'ai surtout envie de recourir dans le jardin avec ma fille. Pour finir, as-tu déjà une date prévue pour ton retour à la compétition? Non. Non, je me fixe pas de date. Jamais. Je m'étais pas trop fixé de date non plus pour mon retour. Je suis régime, mais jamais donné de date. Je savais jamais combien de temps j'allais en avoir pour être arrêté. Donc non plus. Je sais que. Voilà, ils m'ont dit, premier coup que j'avais été les voir, ils m'ont dit 6 mois d'arrêt. Alors là, par contre, j'ai boudé. C'était pour me faire peur. Et là, il m'a dit non, 3 semaines, 1 mois. Je pars sur 1 mois. Après, je vais voir, c'est moi qui, par rapport à comment je vais me sentir. C'est surtout à l'attelage au début et monter un petit peu plus tard. Parce que l'attelé, il y a quand même plus de travail. Mais rien n'est fixé. On va être bien pour le meeting d'hiver, gentiment. On va se préparer. On va faire des rentrées en début d'hiver. Et puis, on va être bien pour une fois qu'on aura fait quelques courses.